Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, c'est Alex The Blood Cat qui vous retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play sur Need for Speed Most Wanted. Je tenais encore une fois à m'excuser à propos de l'épisode précédent qui était très mauvais. J'espère que celui-ci se passera un peu mieux, mais bon, vous connaissez les aléas du jeu vidéo et de l'informatique en général. On sait jamais à quoi on peut s'attendre. Donc, j'ai 4 victoires en course, ça c'est bien. Il me reste les défis et la prime, alors vous connaissez la chanson, hein. On va énerver les flics, mais tout en gagnant des pépettes. Allez, c'est parti! Alors oui, j'espère que donc j'aurai pas de chute de FPS ni de saccade, parce que c'est vraiment déconcentrant. Oula, je sais pas si ça se dit, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça me déconcentre d'une violence, je ne pouvais pas savoir quoi. Allez, on y va. Et surtout, on va essayer de pas semer les flics trop vite. Parce que c'était le cas dans le dernier épisode. Et du coup, bah, j'ai pas eu le temps de remplir les défis. Voilà. Passe devant tout le monde comme ça. Oula, je fais du deux roues même. À toutes les unités, je viens de recevoir un appel. Sa cobalt, elle est beaucoup plus tunée que la mienne. Hein. Oula, ah, je vois des unités dans la zone, dans des interventions prioritaires. Libérez-vous et dirigez-vous vers la zone. Bon, les flics sont alertés déjà, c'est une bonne chose. Attention, angle droit, voilà, je le prends bien. Ils sont pas loin, ils sont pas loin. Oula, non! Ce petit bout de mur là, il a été fatal je pense. Oula, la Xbox est buggée. Mais il m'a pas vu. Je suis passé juste devant lui, le flic m'a pas vu quoi. Ça. Oula. Par contre les mecs qui pillent au dernier moment quoi, c'est chaud. Il n'y a que des angles droits dans ce coin, je me souvenais pas. Non, mais double pas. Oula, oula, c'est bientôt la fin de la course, là, et je suis deuxième. C'est pas bon du tout. Ah, ça y est, les flics sortent. Et j'ai eu une grosse chute de FPS et je suis deuxième, c'est pas grave. Écoute, on va essayer de... Je vous tutoie, c'est n'importe quoi. On va quand même essayer de remplir les défis. Même si on a perdu la course, c'est pas grave. Allez, suis-moi. Centrale 1085, demandons de l'aide. 21. Les unités sont libres pour intervenir et prendre en route. Petit, venez. Je ralentis un peu, hein. Parce que j'ai l'impression qu'ils suivent pas. Ah, voilà. Alors percuter les voitures de flics ou les neutraliser, ça augmente le coût pour l'État. Faut que je fasse aussi 3 infractions, c'est ça. Déjà j'en ai largué un. Oula!
Ouais, je suis en niveau 2 d'embrouille là, donc les mecs là ils ont des véhicules un peu plus rapides, ça m'arrange. À condition qu'ils viennent. Ouais, il y en a un là. Allez, viens. Naze, je suis obligé d'aller les chercher quoi. Oh, je te tiens. Bon, je t'ai pas neutralisé, mais un petit tampon, ça fait toujours du bien. On prend l'autoroute. Hein. Pendant ce temps-là, on voit mes concurrents. Bah tiens, justement, il y en a un qui arrive là. Salut! Vous allez bien? Je les croise. C'est marrant, ça. Niveau infraction, j'en suis à 2 sur 3. Niveau coût pour l'état, c'est pas encore ça. Voilà. Dommage matériel. Ça c'est fait. Il reste le coût pour l'état. Bon. Oh, barrage. Ah, plus barrage. Vous avez vu un barrage, vous? Il y a un terrain de golf juste en face. Si on passait par là. Les suspects arrivent sur le parcours de golf. On quitte la route. Je répète, on quitte la route. Là, on a de l'espace, là. Je vois plus, restez à l'écoute. Voilà, je suis en code 3. Il y a beaucoup de circulation. Allez, viens. Je vais avoir les renforts, mais c'est juste pour augmenter les dégâts. Oula. Ah tiens, les revoilà. Bon, voilà mes concurrents. J'arrête pas de les croiser. Bien, 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 bien. Là, il y en a plein. Vas-y, mange-toi le camion. Mange-toi le camion. Non, tu t'es pas mangé le camion. Bon, faut que j'aille sur un stop poursuite. Voilà. Voilà. J'ai réussi tous les défis. Oh zut. Il y en a un qui est passé à travers des... Voilà, bon. Deuxième fois, hein. C'est pas grave. Il y a un barrage devant, on va éviter. Ah ouais, là ça va être beaucoup plus difficile de s'échapper. Hein. Tiens, toi, t'es content d'être venu. Ah, enfin du challenge. Il y a un stop poursuite là-bas, je vais essayer de l'avoir. Bon, bah pas eu besoin. Il y a une cachette là. Ah non. Tiens. J'ai attiré ton attention là. Ah zut, on m'a suivi. Négatif, il s'est pas arrêté, il roule toujours.
Venez les petits, venez. Grâce à vous, je vais augmenter ma prime. Tu me colles pas, toi? Boum! Oh punaise, t'es pas neutralisé toi? C'est pas vrai! Oula! Ok, il essaie de nous échapper d'une drôle de manière. Ah ouais, non, mais ça c'est peu orthodoxe, hein. Moi-même je suis étonné. Allez, arrêtez de vous coller là, lâchez-moi. Surtout pas que j'aille sur l'autoroute. Tiens, par là. Boum! Ça, ça va les occuper. Ok, maintenant... Je fais le mort. Le suspect a été signalé dernièrement en direction du sud sur State Street. Verrouillage demandé autour de la zone. Coordination de l'opération sur le canal 2. Normalement, ils m'ont perdu de vue. Centrale, ici Bravo 2-5. Je demande un 10-85. Je suis la seule unité présente dans la zone verrouillée. Je crois qu'il est fermé. Toutes les unités referment la zone 3. Contrôlez bien vos écrans. Et non, vous m'avez pas eu les mecs. Alors, j'ai réussi tous les défis. Normalement, la prime, ça devrait aller. Facile même. Ah ouais, facile. J'ai rempli toutes les conditions pour défier le prochain boss. Je suis assez fier de moi. Pas mal. Bon, écoute, Razor a quitté l'arrondissement. Il court maintenant à Rockport. Pour l'affronter, tu dois progresser au classement de la liste noire et terminer tous les secteurs. Il y a trois secteurs qu'on appelle des arrondissements urbains. Ici, c'est Rosewood. Camden Beach, c'est sur la côte. Et Rockport, c'est juste après. Tu dois atteindre un certain niveau de réputation pour accéder au niveau suivant. Et pour ça, tu dois gagner, tout simplement. La deuxième place, c'est pas une place d'honneur ici. Tu dois remplir tous les objectifs jusqu'à ce que tu puisses défier un pilote de la liste noire. Je t'en dirai plus un peu plus tard. Ciao. Merci Rogue. Donc ouais, pour l'instant on est sur le premier secteur, c'est pour ça qu'on peut pas accéder à toute la map. Mais après, au fur et à mesure, punaise, j'arrive pas à le dire. Enfin bref, on accédera à d'autres secteurs et on pourra s'amuser sur un terrain de jeu plus grand. Ah, j'en profite pour boire un goût, ça fait du bien. Donc ouais. On a Taz qui veut nous défier. Tes victoires ont fait du bruit, et Taz t'a remarqué. C'est le prochain sur la liste noire. Ce type, il est un peu fou, et pas mal de monde le recherche. Alors, attention, il attend ton appel. Salut. Bah écoutez, on va pas le défier dans cet épisode, hein, ce sera pour le prochain. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une autre course. Alors j'hésite, est-ce que je fais le péage ou l'élimination directe? Bah, allez, un peu de contre-la-montre. Je serai tout seul hein, sur cette course, il faut passer devant les... De toute façon, ils vont vous expliquer ça. Les courses péage permettent de prouver les temps réalisés. Mais bon, tous les membres de la liste ne sont pas dignes de confiance. Il suffit de faire valider un ticket au départ de la course et à l'arrivée. Le temps est limité pour se rendre d'un péage à l'autre, alors garde bien l'œil sur le chronomètre. Voilà, du contre-la-montre simple hein, avec des checkpoints. On va voir si on peut y arriver. C'est parti. Alors, il y a trois péages à passer. Et j'ai moins d'une minute pour aller jusqu'au prochain. Bon, je suis content, il n'y a personne sur l'autoroute.
Pardon pour cette petite pause. On reprend. Voilà. Oh bah ça va, on arrive facile au premier là. Voilà, but en bonus. Ça se passe sur l'autoroute. Il nous faut pas passer par le centre-ville, tant mieux. On va jusqu'au deuxième péage, ensuite il faudra foncer jusqu'au dernier et ce sera cuit. J'utilise un nitro seulement si il me reste pas beaucoup de temps, hein. Mais là ça va être facile. C'est sur les premières courses, hein, je vous le rappelle. Donc ça va. Tout à l'heure j'ai perdu, mais c'est parce que j'avais mal conduit. Mal gérer le truc, autrement je l'ai remporté la course. J'espère que contre Taz ça sera aussi facile, que j'ai pas à m'y reprendre 15 fois hein, quand même. Faudrait pas non plus que ce let's play dure 100 ans. Oula, on est presque à 300. Voilà! Eh ben ça c'est fait! Bah écoutez, je vais voir si je peux pas améliorer ma voiture. Et après on va se laisser là-dessus. J'ai jamais compris pourquoi ils mettaient de la flotte à cet endroit-là. Allez! Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Moteur, transmission, c'est bon. Suspension, je crois que c'est pas bon. Voilà. Après, pneus. Je crois que... Oui, bah, c'est pas encore débloqué. Frein, j'ai ce qu'il faut, hein. Ouais, 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 ouais. J'ai les freins Jokman, donc ça devrait aller de ce côté-là. Et compresseur, il faut battre Taz, d'accord. Bon, bah j'ai juste les suspensions. La transmission, je l'ai installée, ouais, c'est bon. Ok. Oula. Non. Mais je... Voilà. C'est bon. Ça, c'est fait. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous retrouve pour le prochain. Attention, on ira défier le numéro 14 de la liste noire. Allez, à plus !